Cette semaine, l'invité de la semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaspard G. Waouh, c'est bon, il y a de la ZIC. Première fois, il y a de la ZIC sur le bumper pas incroyable. Pas de la ZIC, Trop bien, salut Gaspard. Salut Jean, salut tout le monde. Salut Est-ce que tu vas bien ça va très bien et toi Bah ça roule. Hein Merci d'avoir accepté notre invitation dans Maxit. Merci à toi de m'avoir invité. Alors Gaspard, pour celles et ceux qui auraient le malheur de ne pas encore te connaître, tu es youtubeur. Oui, je suis... Qu'est-ce que tu fais Vas-y raconte. Créateur de vidéos d'actualité. C'est comme ça que je le pitche un peu. Ah euh... tu fais des pitchs. Ouais, je pitche. Bah je suis un peu... C'est pour pas dire journaliste. Au revoir, au revoir. Pour pas <laughs> dire... Non mais oui, mais oui, je pitche. Euh, dans cette bonne vieille Startup Nation, je pitche. Euh, mais oui, je, je fais euh, euh, des vidéos d'actualité sur Instagram, sur YouTube. Et je faisais un peu de podcast aussi avant, mais j'ai un peu arrêté, voilà. D'accord, ok. T'as commencé quand Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer Alors moi, je fais partie de ceux qui se sont lancés en 2013-2014 avec, attention, un panda moqueur, tout ça, vous vous souvenez pas Si, si, si Un peu la branche lifestyle en 2013-2014 qui a suivi vraiment le truc. Je pas trop la branche lifestyle. Lifestyle, non. Non, non, c'est pas le... Pour bref... Mais vous êtes nul. C'est ceux qui que disent qu'il faut manger des salades et tout. Ouais et... non non c'était plus dans la tu vois les, oui. les ados qui montraient leur, leur leur vie sur YouTube tout ça. Moi j'ai fait ça pendant longtemps et puis ensuite bah, j'ai grandi et mon audience a aussi grandi un peu avec moi et progressivement j'ai affiné un petit peu mon mon contenu vers des trucs un peu un peu moins con Mais c'est un... non mais c'est intéressant d'ailleurs que tu t'aies fait ce, ce cheminement là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu parles d'actu? Parce que l'actu, c'est chiant quand même euh, euh. Ah non, moi, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours, euh, toujours voulu être journaliste. Aujourd'hui, je crois que je suis juste un relais euh, journalistique, tu vois, mais sans, mmh. sans, sans avoir ce, ce terme-là. Mais, euh, mais ouais, j'ai essayé d'intéresser les, les jeunes à l'actualité sur des sujets euh, aussi euh, un peu politiques, parce que je pense que c'est important. Et aujourd'hui, bah, on, on est quand même dans un espèce de, de monde où les politiques sont des communicants hors pair. Et donc, c'est un peu compliqué de trouver de l'objectivité dans tout ça. Euh, et bon, toi aussi, tu es un communicant je pas, Non, je crois pas être un communicant. Il euh, y, a, y a cette. Euh, Peut-être. Euh, en effet, il y a, y a ce challenge par rapport au, au fait de. Est-ce que oui ou non, on doit recevoir des, des membres du gouvernement ah, On va sur, parler, tu en parler ouais, ouais, sur, ouais. sur les réseaux. Ouais. Mais, euh, et comment on le fait Et il y a cette grande question. Et je pense surtout, comment on le fait euh, Moi, je suis pas de ceux qui vont dire que le gouvernement n'a pas le droit d'être euh, sur YouTube et d'être invité sur certains euh, shows. Euh, YouTube, Twitch, etc. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine déontologie. Et hum. comme tu le disais, moi aujourd'hui j'ai 23 ans, euh, j'ai commencé progressivement avec des trucs un peu plus légers. Donc forcément ma première entrevue politique euh, elle était un peu complexe. Ouais. Euh, aujourd'hui elle n'existe même plus parce que je n'ai pas envie euh, que ça... Euh, qu tu l'as retirée euh, Ouais, je l'ai retiré il y a peut-être quelques mois, tu vois, pour, parce que je pense que c'est important de aussi... Euh, soit tu penses avoir les clés, tu penses avoir fait du bon taf et c'est cool, soit en effet, si ce n'est pas le cas, bah, ça peut vite devenir un espèce de truc un peu propagandal. Euh, mais on va avoir l'occasion d'en parler. parler Est-ce est que, est que je peux le recycler tu fais peut-être pour notre audience ou même pour l'audience qui me suit, parce qu'elle a au moins vu ça, ouais. euh, parce que bon, les gens ne te connaissent pas nécessairement. Non. Tu avais fait une vidéo qui avait énormément tourné euh, sur une vidéo noir et blanc, euh, très oui. dramatique, ça euh, piano, les euh, sur euh, les étudiants, c'est dur en ce moment, pendant ouais. le Covid. Ouais. Euh, et euh, au point où, donc cette vidéo avait beaucoup tourné sur Insta, je crois, ouais, euh, Instagram, ouais. énormément tourné, au point que Jean Castex t'avait appelé. Exact. Euh, littéralement. Tu peux nous raconter euh, cet épisode ouais, Tu l'as raconté sûr. chez Harry sur Image. T'es passé sur Harry sur Image ouais, genre, il, y a, il y a trois il y a trois semaines. Ouais, si ça, ça. intéresse les gens d'aller voir. Ouais, c'était très cool. J'avais ai, aimé en fait le, le ton posé de, de l'émission aussi parce que euh, l'épisode, le, le, voilà comment ça se fait. Moi, je j'ai étudié à Montréal pendant quatre ans et euh, mais du coup j'ai terminé mes études en janvier. Donc j'ai fait euh, bah, ma dernière année d'études en, en Covid, donc en télétravail et donc j'étais à Montréal et bah, je suis pas rentré en France, je suis resté à Montréal. Alors que il bah, y, plus... y avait deux possibilités, soit il y a les étudiants à l'étranger qui rentraient chez eux, soit il y a les étudiants à l'étranger qui restaient dans le pays. Moi je suis resté là-bas euh, bah, pendant quatre mois tout seul. Vraiment j'ai vu personne, surtout qu'au Canada c'était, enfin ils sont ultra vénères quoi. Donc si tu sortais c'était ouais. chaud. Euh, et du coup, euh, du coup je suis resté pendant quatre mois et euh, il y a eu heureux une deuxième vague de confinement et puis après il était question du troisième confinement et là bah, j'ai décidé de faire cette vidéo hein, qui, a, qui avait un peu tourné du coup. Sur, euh, sur les réseaux sociaux, en prenant ouais, peut-être un angle un peu narré. Euh, bah, c'est peu... pour ça que je disais que tu étais un peu communicant aussi, ouais, parce que mine de rien, là, c'était. Euh, ouais, enfin, tu l'es aussi, euh, toi, à ce niveau-là. Mais, mais, mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Ah, bon, <laughs> oui, non, ça. non, exactement. L'idée, c'était euh, d'interpeller. Euh, moi, c'est vrai que mes potes me disent que je suis un peu une drama queen sur, sur certains codes avec du Tom Rosenthal qui tourne en boucle le <laughs> piano et les violons, etc. Eh N'empêche ben, que tu as interpellé, pas n'importe qui, le chef du gouvernement en personne. Jean Castex. Je pense que. ouais Non, mais d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas un juge Jean Castex Il qui a réagi à cette vidéo, mais c'est vrai que vrai. du coup, il y, y, y a eu cet appel, et cet appel qui était juste à vocation de prendre le pouls, en fait, auprès d'un jeune citoyen, et moi, comme j'avais un peu peur de cette histoire-là, bah, j'ai décidé de filmer l'échange. J'ai filmé l'échange, et euh, donc, tu vois, l'échange dure, je il dure 3 minutes sur, sur Insta, ou 2 minutes 30, et pendant les 30 premiers je fais, oui, oui, monsieur le Premier ministre, merci de m'appeler, etc. J'ai un peu le sourire aux lèvres parce que c'est galerie tu vois, Jean Castex qui ah bah au téléphone. en personne, ouais. Et, euh, et, et sur les 70% après, je revendique euh, les, ce que les étudiants demandent, à savoir le retour en présentiel, euh, des mesures concrètes qui ont été annoncées ensuite. Euh, je rappelle qu'on était en janvier dernier, effectivement. En janvier, fin ouais. février. Enfin, euh, fin début février. février. Début début février. février. Okay. En tout cas, c'est au début de l'année. Et euh, et, voilà. Et puis ensuite, bah, du coup, ce qui est malheureux, c'est que ce qui a été retenu, c'est surtout euh, le côté, euh, bah, c'est Jean Castex euh, qui euh, appelle un étudiant. Mais euh, je pense que c'est important aussi de, voilà, de, de recontextualiser la chose, de resituer un peu le bazar. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que maintenant, quand on m'invite, on parle de ça, mais, euh, mais c'est intéressant. C est, c est ce qui t'a rendu c'est ce qui t'a rendu... Imp... Alors, en tout cas, récemment. Bah, J'ai fait, fait, fait pas mal d'autres trucs, mais ouais, en tout cas, c'est le dernier truc un peu dont Et on comment est-ce qu'il est arrivé à toi Comment il est arrivé à moi enfin, Comment il est tombé bon. sur cette vidéo, tu sais ça, ça En parlait le sur les chaînes d'info déjà un petit peu. Ouais, la, 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 tournée. Tournée, ouais. ouais la, la, la vidéo elle tournait, ouais, okay. bah, la vidéo tournait. Il ne suivait pas sur Instagram quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais il a des équipes qui sont là pour suivre. C'était une blague voilà. On embrasse d'ailleurs les blague. équipes de Jean Castex qui regardent est ça, cette il émission. Est, il est 20h19, on n'a plus le droit de faire de blagues. On se non, mais vraiment... je pose la question de savoir est-ce que Jean Castex doit venir dans Baxit un jour La réponse est oui, évidemment. Évidemment, d'ailleurs, il n'attend que ça. À propos de politique et de vidéo, je crois que. À propos de politique et de vidéo. Alors d'abord, je voulais te poser une autre question. Quand tu parlais des revendications que tu avais fait dont tu avais fait part à Jean Castex pendant, ce, pendant cet appel. C'est les revendications de ta communauté Comment tu étais arrivé ouais. à les sélectionner en quelque sorte J'ai ouvert un mail euh, okay. dont j'ai oublié l'intitulé parce que c'était horrible. C'était euh, une phrase, gmail.com. Je ne sais plus quelle était cette phrase. Euh, je crois que c'était euh, étudiant en 2020. Enfin, euh, dur d'avoir... Enfin, mm -hmm. je ne sais plus quoi. Tu, tu es en colère, il y en a marre. A euh, voilà, et, exactement. Un truc At comme .com. ça. Et j'ai reçu euh, 15 000 euh, mails. Waouh. Exactement. Ouais. 15 000 Ouais, c'est n'importe ouais, quoi. Tu fait un véritable appel à ta communauté. Ouais, pour, tu sais, j'ai juste euh... mis non, dans le petit onglet commentaire, j'ai mis uh -huh. épinglé le truc. Et euh, j'ai juste reçu des témoignages affreux. J'en ai fait une seconde vidéo qui a fait wow. beaucoup moins de vues parce que les gens... Euh, préfère justement malheureusement la musique dramatique et euh, l'effet noir et blanc euh, que écouter euh, une maman étudiante euh, qui euh, vit avec euh, 1200 balles par mois euh, euh, dans un truc du crous euh, affreux et, 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 et c'est affreux mais euh, cette vidéo a moins tourné mais ouais c'était 15 euh, du coup j'ai demandé à 15 étudiants et étudiantes de venir témoigner de ce qu'ils vivaient et voilà mais pour revenir tu vois sur, sur ce que vous disiez sur pour moi le, le faut faire attention parce que la, cette partie communication euh, politique et c'est toujours ce qui est très dangereux, euh, c'est que euh, le, la Macronie et les communicants euh, macronistes aiment beaucoup euh, aller euh, Bundle, repackager les petites vidéos qu'on fait ou leurs interventions plateau, particulièrement sur le web, pour après les extorquer et les sortir du contexte. Et leur faire euh, du contenu pour eux. Quoi. Et leur faire ouais. du contenu pour eux. Et tout le monde fait ça, ouais, non ça vrai, ouais. Oui, mais euh, particulièrement, hein, bah ils ouais. sont quand même très habiles sur ah cette ouais. euh, sur cet aspect-là. Est-ce que tu as eu le sentiment d'être instrumentalisé du coup Bah, je pense que c'était L'instrumentalisation de la vidéo, euh, en fait, euh, je pense que ce qui était le plus fort, c'était les gens qui avaient vu. Il y a, je crois, qu'il y a 200 ou 250 000 personnes qui ont vu cette vidéo de l'appel du premier ministre. S'ils l'ont vu dans leur intégralité, moi, j'ai pas peur de ça parce que je suis hyper à l'aise avec. Enfin, euh, mm -hmm. euh, voilà, je, je crois que j'ai été clean sur cette vidéo-là. Euh, après, oui, derrière, euh, ils ont, euh, ils ont, euh, ils en ont reparlé en plateau, etc. Alors qu'à la base, ce qui est intéressant, c'est que le premier ministre n'était pas au courant que l'appel était enregistré et que moi, je l'ai repartagé. Mm. Que j'ai reçu un coup de fil de Matignon en me disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Ah. Moi, j'étais content d'avoir une réaction à chaud du Premier ministre qui, en plus de ça, a, ouais, pas, lâché sincère, quoi. Ouais, il a pas lâché d'exclure. Ouais, il n'a pas lâché d'exclure, mais il a dit... Euh, ah ouais. euh, c'est intéressant euh, comme démarche, effectivement. Ouais, ouais, c'est ouais. Ouais. Voilà. Et Les tu livres. savais qu'ils allaient t'appeler, du coup Je savais qu'ils allaient m'appeler, ouais, ouais. okay. oui. bah en fait, euh, le, dans ce cas-là, tu as un petit SMS sur euh, Oui, quand tard, même, ouais. <laughs> Est-ce que vous tu êtes me Ok, D'accord. Okay. Ouais. Euh, moi, je donc, du coup, je t'ai vu dans Arrest sur Image revenir, notamment sur l'épisode de ton interview de Blanquer, qui était il y a plus longtemps que ça, parce ouais. qu'à l'époque, tu avais fait une vidéo euh, pour vanter les mérites de la réforme du bac, euh, la, dont on a ouais, parlé la un semaine peu, dernière. C'est pas exactement. Attention, parce qu'il y a eu 15, 15 influenceurs pour le coup qui avaient été rémunérés, etc. Ah, moi, je parle pas de rémunération. Ouais, je sais. Non, je sais. C'est pas non, le mais, sujet. Ouais. Non, le, le sujet, c'était que bon, tu étais enthousiaste à l'idée de cette réforme du bac. Ouais. Bon, très bien, les, les, les services de Blanquer te disent Viens, un entretien avec le ministre. Tu fais l'entretien avec le ministre. Et évidemment, t'as quoi T'as as 19 ans à ce moment-là 18, même. Ouais, 18, euh, bah, le ministre déroule tout ce qu'il a besoin de dérouler, il n'y a aucun problème. Ouais. Et, et je sais que tu le sais, puisque tu reviens dessus après en disant. Bon, cet exercice-là, je ne suis pas tout à fait fier de l'exercice parce qu'en fait, j'avais rien à lui opposer euh, spécialement, même si tu n'avais peut-être pas nécessairement envie de lui opposer quoi que ce soit, vu que tu étais d'accord avec la, avec la réforme. Mais c'est pas un exercice dont tu es fier maintenant, que tu occupes un poste un peu plus indépendant. Tout à l'heure, tu parlais de ouais. la Macronie. Et toi qui, à la base, plutôt de profil macroniste, tu te dirais plus macroniste maintenant, tu te vois plus libre, plus. Euh... Je veux, moi je veux, Donc, je du veux. coup, tu étais moins fier de cette vidéo-là euh, aujourd'hui. Moi, ça me paraissait intéressant que tu aies un vrai ouais. exercice réflexif sur. Quel est le rôle des influenceurs euh, Quel degré de proximité euh, est, le, est le meilleur Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, sur euh, ce moment-là d'entretien avec Blanquer. Okay. Et éventuellement sur est-ce que tu te considères plus ou moins proche de la Macronie aujourd'hui okay. bon, Alors, du coup, si je retiens, il y a trois choses. Mm -hmm. La première, c'est. Euh... Ah putain, j'ai déjà oublié. Non, c'est bon. Ok, la première, tu me dis euh, que j'étais pour cette réforme. En fait, j'étais euh, pour euh, j'étais pour la suppression des filières et pas pour la réforme. C'est important parce qu'après la réforme, euh, ils en font ce qu'ils veulent, etc. Euh, ils ont fait un truc euh, qui est qui a ses limites, etc. Mais j'étais pour la suppression des filières que je trouvais un petit peu révolu, euh, surtout que bah, j'avais pu un peu, enfin moi j'ai fait une partie de mon lycée à Montréal au Canada euh, et bah ouais, ça a, marche pas pareil C'était quand même ouais. un peu plus flex que l'idée que l'école française. La deuxième chose c'est euh, tu me demandes un peu où est-ce que je me situe. Encore une fois moi je politise pas mon contenu. Je suis quand même assez tu parles que de politique. Oui mais je pense que tu vois il peut y avoir une approche assez éditorialiste euh, quand tu parles de politique et euh, que tu es youtubeur. Maintenant, tu vois, un Hugo Travers, on ne sait pas trop où il vote. On, sait, on se doute qu'il ne vote pas Le Pen. Mais bon, il ne sait pas. Moi, j'ai un peu vocation à être un petit peu sur ce, sur ce rang-là. Non, mais ouais. c'est vrai, tu es plus proche ouais, ouais, ouais. d'Hugo et moi que du Jules. Parce que Jules, les éditorialistes sont contenus. Non, mais c'est vrai. Mais -ce que je vous dis Si vous voulez, vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas politique. Mais non, non, quoi, non, mais ce que question, je veux dire, ouais. c'est qu'on est. Qu est <rire> <rire> moi, je, suis, je me considère un tout petit peu plus obtus. Euh, sur le spectre politique que euh, un éditorialiste euh, ah oui, obtenu comme l'angle obtus pardon j'avais pas compris oui, euh, oui. <laughs> Euh, non, mais la troisième chose, tu, tu reviens sur uh, cette, ce passage chez Arrêt sur image. Moi, j'avais vraiment parlé, je crois, de la responsabilité aussi des grandes chaînes euh, d'info ou en tout cas des gros groupes médias, que ce soit le service public ou les chaînes de télé privée, euh, d'aller accompagner les youtubeurs puisque véritablement, aujourd'hui, les moins de 30 ans ont déserté euh, la radio et la télé. Bah, comment on accompagne ces youtubeurs C'est euh, Hugo Travers, c'est... Euh, bah, Malek Délégué, Android Phoenix avec Brune Poisson. Comment on les accompagne pour faire en sorte qu'ils aient une forme de déontologie journalistique, même si à la base, ce n'est pas leur métier ouais, Alors, c'est pas les grands médias qui vont nous la donner, cette déontologie. Ah ouais, mais je moi, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que c'est. Oui, <laughs> d'accord. Okay. Je... Ben, non, non, mais dans l'absolu, tu as raison. D'ailleurs, tu as interviewé Bruno Le Maire il y, y a quelques jours. Ouais. Euh, tu tu as noté une évolution dans ta manière d'interviewer Mais c'est intéressant, d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, tu... les questions. Tu... J'ai pas vocation, enfin, je pense que c'est très perfectible parce que bah, ça reste un ministre qui a 15 minutes et donc c'est un peu complexe d'aller soutirer mmh. des infos mais je l'ai quand même changé sur le RSA étudiant pourquoi euh, pourquoi pas de RSA étudiant pendant la crise je plus de quoi on a parlé bon moi je trouve que le truc qu'il a fait sur la taxe de moins 15%, c'est très bien, euh, de moins c'est très bien pour les pour les gafam mais euh, on a parlé un peu de tout ça mmh. euh, ouais je pense que bah forcément tu vois j'ai 23 ans donc progressivement j'espère qu'à 30 ans je ferai, euh, je serai encore meilleur si je continue de faire ah, non, ça non mais tôt. moi je suis comme toi hein. d'ailleurs Hugo Hugo décrypte aussi on avait parlé sur un de ces streams le, la propre interview qui... Il avait fait lui-même de, de Le Maire il y a quelques années. Ouais. Il avait un regard assez critique sur son propre travail en se disant qu'aujourd'hui, il ne l'a refait plus de la même manière. Moi, il y a des interviews que je ne refais pas de la même manière que je faisais il y a trois ans. Euh, enfin, oui, non, je, je suis d'accord avec toi, on évolue tous. Euh, et voilà. On parlait tout à l'heure de politiser les contenus ou pas et d'accompagner peut-être les YouTubeurs vers la déontologie dans une certaine mesure. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'exercice McFly et Carlito à l'Elysée parce que c'est complètement dépolitisé. Et niveau niveau je ne sais pas trop ce qu'on peut en penser. Ouais, c'est marrant. Je sais pas. Moi, je ne pas une espèce de, de genre de déconnexion par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que euh, David Koskas et Raphaël Carlier sont pas des gens. Enfin, ce sont pas des purs produits de la macronie. Dis les vrais noms et tout. Ça fait trop non ça, mais les vrais ouais. noms sont connus, je crois. Enfin oui, en tout cas, oui, oui, non, oui. tu vois. Non mais les individus. C'est qui Les individus. qui, qui, les, <laughs> individual... <'est> qui <laughs> les individualités de ces personnes-là. Individuellement, je pense que ce sont pas des purs jeux macronistes, tu vois, genre. Non non non, je on pense on pas non plus. Plutôt un peu voilà, en termes de temps du spectacle, l'enseignement, tout ça. Bon, on peut on peut capter un peu où ils votent. Et pour autant, euh, pour autant cet exercice-là, en effet, sur la forme, il est galerie. Maintenant, c'est c'est c'est. C'est ça à quoi, quoi moi, j'ai, Les... enfin, la vidéo m'a pas déplu. Par contre, euh, le gros souci que j'ai, tu c'est que, en fait, j'aime bien moi l'espèce le, de com. Je suis un peu partie de ces, ces jeunes-là qui aiment bien l'exercice le, de com qui vise à euh, pas de com. Mais en tout cas, du côté. Euh, politique euh, qui vient à, euh, pas désacraliser, mais rendre un peu plus cool, tu vois, Obama qui fait des trucs avec des youtubeurs, ouais, ouais. était... La, au moins parler de, de ce, qui nous, ce qui les intéresse, de politique, tu ouais. vois, parce que là, c'était quand même euh, éclaté au sol, les échanges, hein. enfin, si, je suis désolé, mais après, euh... je sais pas. Ouais, mais pourquoi Enfin, je sais pas, si le président de la République a envie, de, à travers ce canal, parce que c'est ça, hein, ce n'est rien d'autre ouais. qu'un canal, de toucher euh, des jeunes. Pourquoi il leur parle pas de, de leurs préoccupations comme toi tu l'as fait tu vois typiquement. Bah Parce que enfin, je, je sais pense pas, que c'est quand même chelou. Après c'est pas antinucléaire. Hein, je veux dire Emmanuel Macron il peut aussi accepter de venir dans Backseat s'il veut. Si, ah bah 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 oui de bah oui. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin... C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas c'est pas parce qu'il fait un truc avec Macron à... que ça l'empêche de parler. En tout cas je crois pas que ce soit de son fait. Mais peut-être. Non je sais pas. Est-ce que c'est pas aussi un peu symptomatique du rapport qu'a Macron aux journalistes aujourd'hui à l'exercice journalistique Bien sûr. C'est carrément ça. C'est plus. C'est un autre canal, mais bon... Il a peur de se prendre des douilles, ou, euh, tu penses bah, Sûrement. Hein Je ne sais pas, j'ai l'impression bah, qu'il est... sûr que s'il vient ici, il bah, va s'en prendre. Il y a plusieurs sujets, les amis, cette semaine euh, qu'on voulait euh, qu'on voulait aborder avec, avec toi, Gaspard. On est content que tu sois avec nous euh, aussi pour en parler. Euh, euh, dans les dans les sujets qu'on a identifiés dans l'actualité avec Usuléa, on en a beaucoup parlé euh, de, de quels sujets on voulait aborder. Il y a quand même un truc euh, qui est un peu passé n'est pas passé sous les radars, mais qui est intéressant, qui est en train de prendre de l'actualité. C'est quand même la primaire à droite. La primaire à droite, le, le processus de la primaire au sein du parti des Républicains, euh, suite à leur succès aux élections régionales et départementales, a été relancé par un appel euh, signé dans le dans une tribune du Figaro. Euh, appel signé par plusieurs candidats potentiels à ce processus de primaire. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Laurent Vauquier, le président réélu lui aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Retailleau, le président des, des, des Républicains au Sénat, Hervé Morin, le président de la région euh, Normandie, et par ailleurs euh, président du parti Les Centristes, je crois, c'est ça le ouais, nom son ouais, truc ouais, il n'est pas LR. Il n'est pas LR. Donc voilà, Donc ils ont signé, une, ils ont signé un Pourquoi appel dans le Figaro à lancer ce processus de primaire en vue de la désignation du candidat des Républicains en 2022. Et évidemment, très rapidement, tous les regards se sont tournés vers celui que tout le monde attendait, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, président lui aussi réélu dans les Hauts-de-France, qui lui est déjà candidat à l'élection présidentielle et qui n'est pas membre des Républicains et qui a balayé d'un revers de main quelques jours plus tard sur le plateau de TF1 cette idée d'une primaire. Non, Xavier Bertrand n'y participera pas, il continuera à faire cavalier seul. Du coup, ça repose la question de la primaire, cette primaire à droite, est-ce que vous pensez, Usul, Léa et Gaspard, que les Républicains euh, ont une chance, grâce à ce processus de primaire, de se crédibiliser en, en vue de la présidentielle? <laughs> Oui, parce que que question, vois, là, Il y avait ben toute oui. la tension chez les républicains, ils aiment bien avoir un chef, c'est normal, c'est la droite, il faut un chef, et il y avait bon, il y a un moment où il y a un chef naturel qui s'impose, s'il y a eu un gouvernement de droite avant et un homme fort dedans, machin. tu vois Sarkozy c'était un peu imposé comme ça, euh, c'était le candidat un peu naturel avec une certaine autorité sur son camp, là il y a personne, enfin il y a ouais. personne. Xavier Bertrand crois que c'est lui oui, alors il en est persuadé, voilà. lui. Oui, en oui. fait, ils Mais attendaient un peu que les régionales déterminent. Voilà. Et, Et le problème, c'est que tout le ouais. monde a été reconduit. Et eh, ça, c'est con. <laughs> c'est con. Ouais. Voilà. Les euh, trois. Hein. Ouais. Voilà, le président du parti, euh, du coup, Christian Jacob, a essayé de dire bah, bah comment on va trancher euh, il est parti sur une idée qualifiée de baroque par je ne sais plus qui dans le, dans le, dans le monde aujourd'hui, de, 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 de lancer un, un sondage d'opinion avec l'IFOP, 15 000 gens représentatifs de la droite et du ouais. centre. Donc il sonderait les Pour âmes voir qui serait l'heureux élu. Christian <laughs> ouais. Jacob a lancé cette idée et il a été renvoyé fermement dans les cordes par son bureau politique, je crois, qui a refusé ce process-là. C'est pas exclu, hein? n'est pas exclu, ah, ça pourrait compris, être les deux. Exclu. Non, ah, non, ça non, non être absolument deux. pas. C'est Léonetti qui va devoir trancher après après euh, sonder. Euh, il a jusqu'à début août, je crois, pour sonder les potentiels candidats, pour les mettre d'accord, pour leur dire euh, faites face à vos responsabilités, soyez responsables. La gauche, a... enfin, pardon, oula, lapsus. La droite oh, a pêche. besoin d'être unie. Et après, euh, si ça ne fonctionne pas, vraisemblablement, ça ne va pas fonctionner. Il lance quand même effectivement dans un deuxième temps cette espèce de sondage avec l'Ifop. Mmh. En septembre. Mmh. Et si jamais euh, le maître, euh, l'élu, euh, ne ressort pas clairement, la troisième, euh, troisième, phase, qui n'est pas une primaire, mais un exercice de rassemblement. C'est comme ça qu'ils ont défini le truc, je crois. Oui, oui rassemblement, bien sûr. Mmh. Pas de, à, à voilà. la base, c'était de départage et ils ont changé voilà. d'éléments de langage. Ça n'est plus de départage, c'est rassemblement. Qu -ce Qu'est-ce qu que, tu penses toi, Gaspard de cet exercice de primaire Est-ce que tu penses que ça peut, est-ce que, est-ce que le problème de la droite aujourd'hui, c'est le leadership ou est-ce que c'est le fond politique et l'espace politique mmh. Euh, non, je pense que l'espace politique là actuellement, euh, en tout cas, la France n'a jamais été autant de droite. J'ai l'impression euh, particulièrement aujourd'hui où, euh, je sais pas entre. Euh, le paysage politique et médiatique. Peut-être pas la France. Les électeurs. Euh... Je sais pas parce que ouais, tu ouais, vois, je temps. faisais une vidéo là, je préparais un truc sur euh, l'outsider, enfin euh, la possible candidature de Zemmour et je regardais le dernier sondage Ifop de, du, commandé par Le Point il hum. y a trois semaines, je crois quelque chose comme ça. C'était bon 5, après c'est les sondages c'était 5,5%. Ouais, 5,5% pour Zemmour, mais surtout, tu avais Le Pen à 28, Macron à 26, Bertrand à 18, après tu avais euh, JLM, ensuite euh, Jadot. Et puis, mais en fait, si tu faisais le, tout le combiné, etc., et en, prenant parti, en, prenant le, en disant, bon, bah, Macron, on, on le met à droite, je crois que tu avais 82% des personnes qui, se considéraient, qui étaient prêts ouais, à voter pour un, une figure de droite. les personnalités qui sont visibles euh, dans ce, cette course à la présidentielle un peu anticipée, quand même, euh, c'est les personnalités de droite. On n'a pas vraiment de personnalités de gauche qui sont très visibles, hormis Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Il y a Jadot aussi, OK, mais ils a mis qui Hidalgo dans le Hidalgo. sondage oui, mais bon, pour le moment, euh, qui d'autre enfin, a... Après, ça pose la question de sur quels items on interroge les gens aussi. Tu vois, en sciences politiques, on peut conduire des enquêtes au long cours sur les valeurs de tolérance, d'ouverture, etc. On voit que chez les jeunes générations, et puis d'année en année, ce sont des valeurs qui montent, alors qu'on a l'impression qu'on a un paysage politique qui est de plus en plus d'extrême droite, avec des candidats qui portent des positions de plus en plus ouais. droitières. Or, est-ce qu'elles sont fidèles à ce que pense l'opinion Pas nécessairement. Ouais. Et si on les interroge sur encore d'autres items, par exemple, êtes vous pour ou contre la semaine de quatre jours euh, les... Non, mais tu vois, ça dépend de quelles questions on pose aux gens. Donc, après qu'il y ait une distorsion entre ce que voudraient les gens pour leur vie et ce pourquoi ils vont finir par voter à travers un long processus de, de matraquage médiatique, de machin, et puis ensuite c'est le jour du vote, et puis ensuite il faut choisir ton client là, dans l'urne, dans et puis machin. Qu'ils votent finalement contre leurs intérêts euh, à travers toute une machine qui, qui leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait voter ou que c'était comme ça qu'il était raisonnable de voter. Ce n'est pas absurde non plus, ça ne veut pas dire que les gens sont de droite, ça veut dire que manifestement, beaucoup de gens votent contre ce qui pourrait... Je parlais de semaine de 4 jours, est-ce qu'on rétablit l'ISF, est-ce qu'on monte le SMIC Les gens, ils sont pour, C'est pas de droite ça. Mais les gens, ils sont pour dans une proportion de 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, c'était l'humanité qui avait commandé tout un tas de sondages. Donc est-ce qu'on est qu peut dire que les gens sont de droite je ne sais pas si on peut dire que les gens sont de droite. En tout cas, il y a un peuple de droite qui existe, avec des valeurs de droite très fortes et qui, d'ailleurs, historiquement, électoralement, est quand même plutôt présente. Pour la première fois de l'histoire, c'est Fillon qui a été éliminé du second tour d'une élection présidentielle. Jamais la droite n'avait été absente de ce rendez-vous au second tour. Ça a été d'ailleurs le début de la dégringolade pour RLR. Et moi, ça me fait me poser la question de savoir, mais quel. Quel est ce peuple de droite auquel s'adresse cette primaire Qui va se déplacer pour aller voter, pour départager des candidats d'un parti qui, certes, au niveau local, s'en sort pas trop mal hein, dans, les dans les municipales, dans les toutes petites villes et aux régionales et départementales, ils ont été reconduits un peu comme le PS euh, là, là où ils étaient déjà. Euh, euh, je veux dire en entre ceux qui ont été convaincus par le macronisme en 2017, je suis pas sûr qu'ils retournent au Bercail chez les Républicains. Je suis pas persuadé. Et ceux qui ont quitté les Républicains pour rejoindre Marine Le Pen, je suis vraiment pas persuadé non plus qu'ils ont envie de se déplacer. Donc moi, je me pose la question de savoir si les Républicains, ils sont pas un peu emmanchés dans une dans un processus de primaire pour masquer la réalité qui est que leur, leur espace politique, euh, bah je ne sais plus où il est, moi. Alors. Là, il y a un, des éléments de réponse dans un sujet euh, qu'on va peut-être aborder un petit peu plus tard, mais le, ouais. la, le sujet du référendum écolo. Euh, pour beaucoup, si LR et notamment le Sénat de chez LR n'a pas permis que se tienne cette révision constitutionnelle pour laquelle il fallait l'autorisation du Sénat, c'est précisément parce que LR faisait obstruction sur tout ce qui est écologie. Et les, les parlementaires LROM s'en plaignent beaucoup. Ouais. Euh, LR par euh, systématiquement, dès que c'est écolo, ouais. nope. Ouais. Ça risque d'être, en fait, et c'est ce que disait par exemple Cyril Dion au sortir de, de ce truc-là, il disait bah, en fait, LR bloque systématiquement aussi parce que manifestement ça ça peut être leur espace ouais. politique à côté d'un Macron qui qui fait des grands oui, le climat, ça m'intéresse. Et la lutte contre l'écologie ah ouais, punitive, sais. pour reprendre le ah ouais. terme utilisé effectivement par ouais, ces leaders-là, ouais, c'est vrai que c'est mar... devenu ouais. un marqueur important. Ouais. La question de la police, et... euh, la police, ah bah oui, la, la, la police... L aussi, euh, aussi, euh, je veux dire. la police, elle est REM aussi. La police, elle est REM aussi, mais ça reste un marqueur très puissant, effectivement, et les migrations, mais c'est intéressant, parce qu'il y a aussi des marqueurs qui ont disparu. L'Europe a été très longtemps un marqueur très important pour, ouais. euh, pour la droite. Et aujourd'hui, tu, tu demandes au peuple de droite, c'est quoi euh, vos items les plus importants L'Europe, ouais. mais balayez, c'est un truc qui les intéresse. Euh, voire même il y en a certains qui sont tentés par euh, sortir de l'Union Européenne, ce qui était impensable à l'UMP euh, il y a encore dix ans. Quoi. Ah, donc il donc, y, y, y a un mouvement, mais il y, y a clairement une droitisation, hein, ça, clairement, ça on le voit, il y a une droitisation du, de, de l'électoral. Il va être candidat aussi, non Michel Barnier va-t-il être candidat à Gaspard, ah, t'en penses quoi hein. J'avoue, je, je ne sais pas. Qu'est-ce <laughs> <Barnier, rire> qu'il qu va nous faire, Barnier oh, Je crois, ouais. Il appelle à une primaire lui aussi, me semble-t-il. Il bah c'est qu'il voudra y être candidat, ouais. Mais en tout cas, on sait à l'avance que la question européenne euh, sera dans la campagne électorale parce que la, la France va prendre la présidence tournante de l'Union européenne pile avant euh, le. Donc Macron. En janvier prochain, oui. Voilà, donc Macron, à partir de janvier, va devenir. Président euh, de l'Union européenne de fait. Voilà, ouais. c'est ça. Donc. De fait, il va prendre la parole à des sommets européens, de machin. Mais au demeurant, le divorce a déjà été fait. Hein. C'est-à-dire que, -à -dire que les, les, les personnes sensibles, j'ai vu des gens dans le chat le dire et ils ont raison, les personnes sensibles à la thématique européenne sont déjà chez En Marche. Ils ont déjà quitté ah, depuis non, très longtemps mais, les oui, Républicains. Oui, Ciao oui, les gars. Hein. Ouais. C'était bah, la... une, une une... un marqueur très puissant de 2017. Complètement. De, de la campagne de, de Macron, où il était pro-européen euh, comme jamais. Il l'est toujours, hein, ça c'est certain. Je sais pas. pas. Ouais. Tu, tu connais des gens qui ont l'intention d'aller voter à un processus de primaire Tu as déjà été attiré par les partis politiques, toi, à titre perso euh, Non, mais après, je n'ai pas l'impression d'être. Euh, encore une fois, euh, ff, la politique, c'est tellement. C'est assez récent. Je m'y intéresse depuis euh, peut-être euh, trois ans, très sérieusement. Et avant, c'était plus. Euh, voilà, Je, je m'intéressais un peu au monde qui bouge, etc. Euh, essayer de comprendre. Euh, avant, je faisais beaucoup de comparaisons. Tu vois, euh, Canada, pourquoi c'est comme ça au Canada Pourquoi c'est pas comme ça en France Pourquoi c'est comme ça euh, et, euh, Pendant longtemps, ça a été, putain, c'est mieux au Canada. Et maintenant, en fait, je suis en vachement en, en mode, oh, putain, la sécurité sociale, génial. <laughs> euh, et euh, vraiment, il y a pas mal de trucs comme ça où c'est intéressant de faire l'opposé. Le, le... Juste pour revenir, parce que ouais, j'ai pensé à un truc euh, que, que tu disais, Usul. Euh, je pense aussi que, euh, moi, mon ressenti sur la droitisation des gens et de la France et des Français et des Françaises, c'est aussi. Euh, en me baladant sur YouTube. Et euh, en me baladant sur YouTube, j'ai découvert. Un miroir déformant tout, me... aussi. Hein. Pardon c'est comme Twitter, c'est aussi un miroir déformant, c'est pas nécessairement. Attends, mais vas-y, continue, ça m'intéresse. Qu'est-ce bah, que tu as pas, vu sur bah, YouTube Pas tant que ça, parce que euh, tu vois, genre, euh, récemment, j'ai fait une vidéo sur l'écart salarial. Homme-femme. Enfin, <laughs> homme, euh, oui, homme femme, Je pardon. vois où tu en veux en venir. Et, euh, et dans les commentaires, <laughs> tellement d'hommes, euh, parce que, enfin, voilà, il faut oh, le dire, d'hommes qui ne comprenaient pas ce que je racontais, et en fait qui faisait semblant de pas comprendre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mon audience, que je pensais assez centriste, ou en tout cas un peu, voilà, Au un peu à gauche, un peu à droite, ouais. était quand même vachement en train de se droitiser, alors que pour autant... Euh, bah, j'ai pas euh, invité Xavier Bertrand euh, en train de boire une bière avec euh, Bertrand. Enfin, tu vois, j'ai rien fait pour droitiser mon audience. Et mon audience, progressivement dans les commentaires, a commencé un peu à se droitiser. Après, ça dépend aussi comment tu définis la droite, la gauche. Il y a aussi ça, hein, parce que là, typiquement, l'écart salarial. Je pense qu'il y a des personnes de droite, de droite qui le combattent. Ouais, mais ça me citait des vidéos sur le Raptor, etc. Oui. Et ah. et parce qu'il qu a, qui a fait une vidéos complète... sur l'écart salarial, euh, qui sont complètement banalisé en fait aujourd'hui. C'est devenu. Ah, ouais, le Raptor, ouais. Je... Il y a des gens qui disent « centriste » ne veut pas dire « non-sexiste ». Oui, oui gauchiste, déjà, gauchiste pas. non plus d'ailleurs. Non, 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 ça, non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. sûr. Sexisme mais, à gauche, on peut non, en parler. Il ouais. y, y, y a une explication aussi qui est celle qu'on re-rentre dans une époque de radicalité. Euh, de et la et la pas plus à droite qu'à gauche. Mais, mais non, à gauche aussi. Mm. Personne, aucun jeune qui s'engage à gauche aujourd'hui va au PS. Oui, c'est vrai. À part Malek Délégué qui était, qui était là la semaine dernière. Et qu'on <laughs> qu embrasse, évidemment. Et qui du coup, pour le coup, en plus, c'était pas ces années-là, lui, c'était juste avant Hollande. Ouais. Mais dans ces années-là, si t'es de gauche et que tu t'engages, tu fais quoi Tu fais les manifs climat, tu vas à la limite chez Europe Écologie Les Verts, sinon tu vas chez les Insoumis, ou tu vas chez les trucs un peu plus vénères, voire tu vas dans aucun parti et tu fais toutes les manifs, dont les ouais. manifs ouais. contre ouais. les ouais. violences ouais. policières, etc. Et tu t'engages en dehors des partis. Ouais. Il y a une époque qui est à la radicalité, euh, de la même manière que dans l'avant-guerre, euh, en Allemagne, tu étais euh, les jeunes, spécialement les jeunes, parce qu'en fait, ceux qui font bouger la société, les marges, très souvent, ce sont les jeunes, parce que les vieux ont des positions. Donc on va moins vers les extrêmes quand on commence à avoir une position, un capital, voilà, oh. on est installé. Les jeunes, eux, sont foufou. Donc ils sont foufou à gauche, mais ils sont foufou aussi à droite. Et on re rentre dans une époque où quand on est jeune et qu'on est de droite, on va pas à LR, on va peut-être à Génération Identitaire, on va peut-être euh, au RN parce qu'il y a des places à prendre. En plus, il y a une dynamique électorale. Oh. Non, mais voilà. Donc c'est pour ça aussi. Euh, Donne-moi un influenceur de droite qui fait des vidéos de droite, juste un peu LR, juste de droite. Et qui ne partent pas non, dans toutes vrai. les thématiques de fachos. J'ai déjà cherché ces galères effectivement à trouver. Il qui te demande est-ce que c'est pas plutôt toi qui t'es gauchisé plutôt que ton ton, ta communauté qui ah, se Ah, c'est une bonne Non, je ne crois pas. Non, non, non je pas l'impression. Sur ce que tu disais tout à l'heure avec le Canada, par exemple, c'est intéressant, le fait qu'au début tu dis qu'il y a un côté peut-être exotique. <laughs> non, <vois> <laughs> mais j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines, certains sujets qui se sont dédroitisés, plus tôt, euh, qui se sont... Il euh, euh, y a certains sujets qui n'étaient pas acceptés avant par la droite. Bon, je prends un exemple. Ouais. Euh, ouais. Moi, le moment où je me suis euh, dit, que ah, la politique, ça commence à être intéressant, c'est... Euh, J'étais en fait en famille d'accueil dans une famille pendant un an euh, qui était monoparentale, et c'était deux hommes. Et euh, mes parents... Homoparental, donc, mais ouais, oui, pardon. Homoparental, pardon, excuse-moi. Et mes parents euh, à, à Lille, du coup, qui étaient de droite, mmh. euh, leur pote allait manifester euh, pour le, le, contre le mariage pour tous. Ah, Et donc ouais. à ce moment-là, en fait, moi, je me suis rendu compte que, ah, ok, d'accord, ça commence, je commence un peu au dîner de famille à essayer de, de faire entendre certains trucs. Mais en fait, aujourd'hui, euh, défendre le mariage pour tous, enfin, euh, les jupéistes, les, c'est complètement euh, oui. acquis, en fait. Mmh. Oui, oui. Donc il y a aussi... Euh, voilà, je ne pense pas que... Il y a Molox qui demande est-ce que le chat sert à quelque chose ou est-ce que c'est un réact vous et je putain je viens de lire ta question déconne pas <laughs> merci en tout cas à toutes celles et à tous ceux vous êtes en face de nous hein, pour ceux qui s'en rendent pas compte il y a une télé là le chat défile on lit vos on lit vos réactions il euh, y a à ouais, boire et à le manger montrer, faudrait, le montrer, euh, faudrait le montrer non mais d'ailleurs en plus on avait une réflexion la semaine dernière avec la Real pour savoir si on foutait pas un écran pour vous montrer que vous êtes avec nous parce que vous êtes vraiment avec nous là c'est hors champ mais vous êtes là euh, on vous aime je vous aime évidemment euh, point d'exclamation Baxi dans le chat donné sur le lul etc euh, autre sujet qu'on voulait aborder est toujours dans la, dans, la, dans la poursuite de cette, de cette cette discussion. Euh, on, va se droitiser davantage. on va se droitiser un peu davantage puisqu'il y a un parti qui a tenu un, un congrès et pas n'importe quel parti la semaine dernière. Il s'agit du Rassemblement National. Marine Le Pen a, réussi, a réuni euh, ses ouailles euh, pour, euh, pour mettre en ordre de bataille son parti politique en vue de la présidentielle de 2022. Marine Le Pen, qui est candidate donc pour ce parti, euh, ça, ça n'étonnera personne qui, euh, qui a annoncé une nouvelle structuration, une nouvelle organisation. On sait comme ça avait déjà été teasé que Jordan Bardella va prendre l'intérim de la présidence du parti. Lorsqu'elle, à partir de la rentrée, on le suppose, se focussera intégralement sur sa campagne, sur sa campagne présidentielle. Il euh, y, y, y a la question de savoir est-ce que. Mais ça, c'est D'ailleurs, on avait commencé à faire l'émission avant l'émission les, les, avec Usul en fumant une clope. Mmh. Euh, est-ce que le Rassemblement National est dans une dynamique positive en ce moment Ou est-ce que les régionales n'ont pas un peu mis un coup, euh, coup d'arrêt à, à cette dynamique Léa alors je je pense que ça, le, ça, ça les a peut-être un peu calmés dans leur espèce d'ascension vers le pouvoir, mais sincèrement, je ne pense pas que ça les freine pour autant. Euh, peut-être que ça les a replacés et, et peut-être que ça leur a permis de reculer pour mieux sauter, j'en sais rien. Mais moi, ça m'inquiète ça ça un peu parce que il est très délicat de euh, tirer des conclusions euh, pour la présidentielle de ces élections régionales et départementales qui étaient quand même un peu particulière, notamment dans le taux d'abstention. Alors effectivement, c'est une élection qui, à mon avis, n'est absolument pas représentative de ce qui va se passer en 2022. Et de dire que l'ARN s'est pris une claque, très bien. Alors oui, ils se sont pris une claque, mais enfin, bon, voilà. Euh, et que ça veut dire qu'ils ont euh, du plomb dans l'aile pour 2022, j'y crois pas une seule seconde. Euh, non. Mais alors vraiment pas une, une seule seconde. Bah oui, je trouve ça même plutôt, plutôt euh, dangereux que de, de l'affirmer au effort, parce que ça pourrait peut-être nous, comment dire... Euh, Relativiser un peu la menace, parce que pour moi c'est une menace, euh, l'avancement de l'extrême droite en France. Et pourtant, elle est quand même bien réelle. Bien réelle, les soutiens de Marine Le Pen sont encore très présents. Les, les thèmes dans, dans la campagne, dans cette pré-campagne qui, euh, qui sont sur le devant de la scène, sont des thèmes chers au Rassemblement National. Enfin, bon, ouais, bref. Mais capitaliste pas dessus. Ah oui, bien sûr. Et leurs sûr. électeurs ne se mobilisent plus. C'est quand même Alors, la grande nouveauté de ces les... Leurs électeurs ne se sont pas mobilisés sur les départementales et les régionales. L'abstentionnisme qui avant bénéficiait majoritairement au RN ne leur bénéficie plus. Moi, ça m'intéresse. Je ne vois moment. pas pourquoi leurs électeurs ne se mobiliseraient pas pour la présidentielle. Mmh. Mmh. Pourquoi Je veux dire, les gens ne se sont pas mobilisés de manière générale. On peut dire la même chose de, de la part de LR. Pour LR, tu vois, de la part des électeurs de LR ou de la part des électeurs de gauche ou de la part des électeurs ouais, LRM. Vrai. Personne s'est mobilisé sur les élections. Personne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gaspard euh, J'ai l'impression. Je, je suis assez d'accord avec ce que tu racontes, Léa. Je pense qu'en en fait, la. Il est de gauche je, euh, Non. <laughs> J'arrête <t> avec <laughs> ça. Non, je pense qu'il. en plaisante. Sur les sujets de société, il est plutôt de gauche, ah, mais économiquement, est ça, il est plutôt de est droite. Ça. Arrêtez, putain, vous êtes chiant. Il a le cœur à gauche et <laughs> porte à à droite. Euh, Gaspard, tu oui. as la parole. Non, ce que, ce que je voulais dire sur. Euh, j'ai oublié, non, c'est bon. Euh, non, tu mais en fait, écoutez, d'accord avec non, moi, et là, ça, ouais, ça ouais, commence super non, bien. Je, je, je suis assez d'accord. Je pense que, en fait, euh, euh, les Mac, la euh, LREM et le FN, c'est quand même des, des partis, même euh, LFI, c'est des partis qui se cristallisent quand même autour de figures euh, très fortes en euh, mmh. la présence de Macron, Mélenchon et Le Pen. Absolument. Et, euh, et les jeunes, et aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique avec euh, la pipolisation des, 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 des figures politiques. C'est dur de mobiliser dans des partis comme ça pour des élections. En fait, parce qu'il n'y a peut-être pas aussi assez de, de figures euh, porteuses Absolument. Euh, pour des élections. Euh, ouais, pour des élections, ou, euh, où ouais. les gens comprennent pas grand-chose en plus. Ouais, Marine Le Pen, clair. ça reste une figure euh, mobilisatrice. Pour son électorat, tu penses Parce qu'il parce qu y a la question de Zemmour, donc il va falloir qu'on parle au bout d'un moment. Il y a la question de Marion Maréchal, il y a la question de Florent Philippot qui a claqué la porte. Mmh. Est-ce que, est que Marine Le Pen n'a pas pris du plomb dans l'aile ces dernières années euh, sa, sa, sa stratégie de dédiabolisation avait l'air de la faire monter en flèche. J'ai l'impression qu'entre ses entre scores décevants de son propre point de vue pour les élections régionales et départementales et les affaires qui se multiplient pour le Rassemblement National, moi j'ai l'impression qu'elle est en perte de dynamique. Mais j'ai l'impression d'être le seul autour de ce plateau à sentir ça. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que Zemmour ira. J'ai un peu potassé le, le sujet aujourd'hui. Et du coup, j'ai l'impression vraiment qu'à 5,5%, euh, il ne mobilisera pas... Enfin, un peu comme euh, Hidalgo, tu vois, à 5%, euh, je ne sais pas, crédité à 5% des sondages aujourd'hui, je ne sais pas si plutôt, ça ne ferait pas mieux d'envoyer Olivier Faure à sa place, se faire ouais, euh, repeller dans la reine. Tous, tous les candidats à la présidentielle n'y vont pas pour gagner, en tout cas. Il y en ouais. a qui n'ont qui pas envie d'y aller pour se prendre une tôle monumentale. Oui, c'est ça. C'est vrai. Non, mais vrai ça vrai, mais, marquerait un peu un Ujul, coup d'arrêt. Ujul, toi, tu voulais en parler de Zemmour, le, le cas oui. Zemmour. Parce qu'il peut quand même avoir une utilité, euh, Éric Zemmour, pour euh, Marine Le Pen, paradoxalement ouais. à, à ce qu'on pourrait penser. C'était un billet, C'était un billet que j'ai vu dans Slate ce matin de, de Antoine Bristiel, qui est chercheur en sciences politiques euh, et qui travaille notamment pour la Fondation Jean Jaurès. Et, et je suis complètement d'accord avec ce qu'il a écrit ce matin, enfin ce qu'il a, qu a publié. Euh, en gros... Euh, Ouais, on dit, bon, elle va prendre. Euh, le, Zemmour va prendre 5,5 points. Apparemment, il ne les prend pas à Marine Le Pen. Ça peut s'expliquer. Il les prend oui, plutôt est... chez LR, ouais, Dupont-Aignan, etc. Ça peut s'expliquer. En gros, il les prend chez euh, les bourgeois, ouais. chez les étudiants CSP bourgeois, plus, chez mmh. les CFP, les, les, petits les commerçants. Fonds, ouais. chefs d'entreprise, commerçants, etc. Ouais. Là, voilà, une population. Qui est son audience finalement population, hein, Une population voilà. qui est plus ouais. diplômée que l'électorat du Rassemblement National. Et pour qui, voter RN, ça fait plouc ouais. Voter RN, ça fait plouc. Voter Zemmour, ah maintenant il met une cravate, monsieur écrit des livres, bah, ça fait moins plouc que le Rassemblement national. Et Zemmour Donc, est cultivé, ça ça revient beaucoup. Et Et Zemmour ça va plus est c'est ce que tu dis qu'en plus, ça peut... Ça peut servir à Marine Le Pen selon toi Alors pour Antoine Bristiel et selon moi aussi ça peut servir à Marine Le Pen dans la mesure où Zemmour prend énormément la lumière, ça va être un des centres d'intérêt de la campagne y compris pour tous les commentateurs y compris pour nous c'est pour ça qu'on en ça parle ce soir déjà. aussi. Ouais, 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 vrai, Donc vrai, pour les vrai. journalistes en gros mmh. si Zemmour dit des trucs ça va être petite phrase sur petite phrase sur petite phrase et il va mmh. nous élargir la fenêtre d'Overton euh, à balle, il va tout grand ouvrir, c'est lui qui va imposer des thèmes et il va imposer des thèmes des trucs encore plus à droite que Marine Le Pen ou Marine Le Pen pourra arriver à se positionner comme... Raisonnable, plus raisonnable en tout cas que l'autre excité. Absolument. Et donc, du coup, vu que c'est quand même ça qui va euh, imposer des thèmes. Euh, à chaque fois, à chaque fois, genre, euh, Macron ne peut pas arriver et nous dire l'Europe, l'Europe, si l'autre a excité tout le monde avec l'immigration, les, les, mmh. les, les, les migrants sont des violeurs, machin, et qu'il faut répondre chaque jour à chaque polémique. Et Marine Le Pen, derrière, va être. Euh, va recueillir ça, parce que les gens vont se dire, ah, mais c'est donc ça les thématiques de la campagne, et c'est précisément sur ces sujets-là, insécurité, immigration, que Marine Le Pen est jugée plus crédible qu'Emmanuel Macron. Si vraiment le sujet de la campagne, c'est comment on reconduit tous les immigrés chez eux. Les gens vont dire, bon, bah à ce moment-là, c'est Marine Le Pen. Ils vont pas voter Zemmour. Mais ils vont se dire, bon, c'est Marine Le Pen. Et c'est Zemmour qui aura, entre autres, imposé ces sujets-là et imposé ces trucs extrêmes à côté desquels ceux de Marine Le Pen vont paraître. Voilà, ça, c'est ce on... qu'Antoine voilà, ce qu Bristiel dit ce ne suffit pas d'additionner les chiffres et de faire des soustractions. Il y a une dynamique qui va se créer, un champ politique, un champ médiatique, un champ des possibles et des idées, des énonçables, des idées énonçables qui va se modifier, ne serait-ce que par sa présence dans la campagne. T'as déjà discuté avec des gens du Rassemblement National Gaspard, c'est une question qui a été posée dans le chat. Euh, moi, en tout cas, pour... dans une période électorale, j'ai envie d'inviter de... euh, tout le monde euh, sur euh, ma chaîne YouTube euh, pour, euh, en tout cas, essayer d'avoir un échange. Peut-être que l'échange avec euh, un Bardella sera un tout petit peu plus euh, corsé qu'avec, je ne sais pas moi, le maire typiquement, où vous mmh. êtes assez lisse. Euh, mais... Euh... Je... Non, je suis pas. En fait, j'ai l'impression aussi que, euh, en tant que créateur de contenu d'actualité, on se doit aussi une forme de responsabilité vis-à-vis -vis de l'absence totale de CSA et de régulation. Je sais que tu as fait une vidéo dessus en plus. Ouais, là, ouais, là. ouais. Euh, et et je, je pense vraiment que il faut donner la parole, au, au moins un temps de parole égal à tout le monde, parce que sinon, en fait, c'est tu bafoues complètement le, le, les principes même de la démocratie. Euh, et voilà, j'ai l'impression que, en plus de ça, ce qui est paradoxal, c'est que, bon, bah, la, les médias traditionnels, bah, quand on voit Bolloré qui, euh, avec l'émission de Zemmour, lui donne une parole grande ouverte tous les soirs euh, en quotidienne, bah, j'ai l'impression que si on veut être l'incarnation de des nouveaux médias, on se doit aussi un petit peu d'être oui. euh, un, peu, un peu réglo. Il y a des gens qui reposent la question dans le chat et je, et je la comprends tout à fait cette question. Est-ce que vous dans Baxide, vous inviterez Zemmour Est-ce que vous dans Baxide, vous inviterez le RN Je vous le redis encore une fois, c'est une question qui n'est pas totalement tranchée. Euh, ça, ça, ça pose des questions éditoriales. Ça on pose des questions. À 100 000 euros. 100 <laughs> 000 on se pose la question en vrai. Euh, non, 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 non. Mais voilà, c'est une question qui n'est pas tranchée. C'est une question éditoriale qui se pose dans tous les organes euh, médiatiques. C'est une question qui n'est pas neutre, qui n'est pas anodine euh, et qui pose, euh, qui pose des enjeux, euh, qui, 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 qui pose des questions éditoriales sur le sens du pourquoi, du comment. Euh, sur le service que ça vous rend, vous, euh, les gens qui nous regardez, parce que c'est pour vous qu'on bosse. Euh, donc voilà, c'est une question oui, qui n'est pas encore est vrai, tranchée. Et, et, voilà, et puis par ailleurs, euh, j'en parlais avec mon coproducteur, on n'a pas les moyens de se. Coltiner un procès pour incitation à la haine raciale sur le plateau de Baxi, je vous le dis tout de suite. Mm -hmm. Donc, non, on je en pas envie. Dans cette <laughs> émission, Clairement. il n'y aura pas de propos racistes, homophobes, antisémites, euh, sexistes. Voilà, ouais. je, je suis désolé pour ceux qui ont absolument besoin d'entendre de, ce type de discours-là. Vous avez des chaînes de télévision qui proposent oui, voilà. ces discours. Limite, ouais, je ne comprends même pas Mais ce qu'ils foutent pas. là, ceux qui sont là, qui ont trop hâte qu'il y quelqu'un du RN qui vient venir les mêmes. Bah pas pas des Non, ni de ni de, ni non, Il y a aussi des gens, et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que la question n'est pas tranchée, c'est que je comprends aussi exactement ce que tu viens de dire, à savoir que c'est totalement absurde en démocratie. Non, je dis pas que mais je comprends aussi <laughs> le positionnement, et je le trouve intéressant et je suis prêt à en discuter. De, il faut inviter tout le monde parce que ça a du sens dans une campagne présidentielle. Donc c'est pas fermé. Euh... Mais que je trouve intéressant quand même, ce, ce, je trouve intéressant cette, cette matière-là. Et c'est pas parce que j'ai pas la réponse à cette question qu'on que va s'empêcher de faire Brexit quand même. Donc on a plein de gens ouais. à interroger dans le cadre de cette campagne. Il y a énormément de trucs qui vont arriver. Il y a des très gros invités qui, euh, qui viendront dans l'émission ces prochaines semaines. Euh, il n'y a pas que le Rassemblement National et Éric Zemmour dans la, dans, dans la vie politique française. Même si c'est vrai, et tu l'as dit, que euh, ça tourne beaucoup autour d'eux. C'est vrai. Et quand je dis ça, bah, je me pose la question de parfois nous aussi. Mais c'est intéressant. Quelle est, quel est notre valeur ajoutée Est-ce que, est que bah, alors pour revenir non, du coup de l'autre côté du spectre, parler et les débunker, c'est pas pareil que de les inviter ouais, mais on Oui, peut en plus c'est la même chose pour les challenger aussi. Oui, oui et être... encore. Non mais voilà, la question se On est en train d'avoir ouais. le débat. Là, de quoi ça sert de challenger des gens qui n'ont aucun scrupule à mentir Ça, il faut leur dire Mais tu vois, moi, C'est le seul truc que j'ai envie de leur dire quoi. Qu'est-ce que la rhétorique de mensonge en politique en parler avec eux Écoutez, on en parlera, Elle. mais du coup, de l'autre côté du spectre politique, il y a aussi la gauche. Est-ce que la gauche peut faire face à ça, à ce rouleau compresseur que tu décris, Usul, et dont tu as parlé aussi Gaspard, cette droitisation de paysages euh, médiatique et politiques Est-ce que la gauche peut parvenir, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022, à, je ne sais pas, faire progresser un thème, par exemple Il faudrait, il faudrait. Je, en 2007, Ségouane Royal avait parlé de démocratie participative. Après, il y a eu le en, revenu universel en, euh, voilà. en 2000... Le revenu 17. universel avec Benoît Hamon, euh, entre autres. La Sixième République en 2012 avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, et la jeunesse avec François Hollande. Il ouais, ouais, y a pas eu élus pour autant. Mais... Mais, alors, voilà, donc, je vous pose la question quel, euh, quel sujet est-ce que la gauche peut réussir à euh, mettre au cœur de, de son dispositif de communication dans le cadre de cette campagne présidentielle Tu as une idée, toi, Gaspard moi j'ai l'impression que le sujet qui intéresse pas mal en ce moment, enfin qui a intéressé en tout cas à fut un temps, c'était le RSA étudiant pendant la, la crise, en tout cas le, un revenu pour les étudiants. Il y a des gens dans le chat qui le disent effectivement le RSA jeune, mais c'est intéressant le RSA mais jeune. Ouais. En fait quand tu poses la question à des centristes ou des plus à droite, même à l'ERM, ils te disent... Hum, moi, moi j'ai eu cette question et du coup, je regrette. Et du coup, j'ai l'impression que je me dédouane maintenant en prenant la parole dessus. Mais je n'ai pas répondu à Bruno Le Maire suffisamment quand euh, je lui ai posé la question du, du RSA étudiant. Pourquoi pas un RSA étudiant Alors que, bon, tu as un Trudeau qui donne une PCU, 1500 balles, euh, 1500 dollars pour les étudiants euh, tous les mois, tous les quatre semaines. Euh, pourquoi en France on ne l'a pas fait Surtout que, bon, euh, on peut se dire, euh, sur un plan de relance à 100 milliards, euh, mmh. il y avait bien 2 ou 3-4 milliards pour faire ah, en sorte oui, que oui. nos étudiants ne meurent pas de faim en France. Euh, ou en tout cas, puissent vivre décemment. Mmh. Et ce qu'ils te disent, ce qu'ils te répondent, c'est qu'on euh, ne veut pas les installer dans une logique d'assistanat. Que... Qui reste un marqueur très puissant, effectivement, au centre et à droite en France. Oui, non, mais as raison. As mais, raison. Mais, 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 mais pourtant, tu vois, 5-6 semaines, euh, pendant les semaines les plus dures du Covid, euh, quoi, 12, 15, 20 semaines très complexes, euh, on aurait pu euh, ouvrir, ce, ouvrir les vannes en fait, de ce revenu universel-là. Et euh, bah, c'est plus simple de les ouvrir pour, pour les entreprises que pour les étudiants. Tu vois, je suis peut-être à gauche en fait. Ouais. Ouais. Je bah, Tu sais, on je vais dire. est les raisonnables nous. Hein. Le c'est eux disait, qui sont dans l'idéologie. Euh... Tu vois, je... tu leur proposes une solution concrète, ils disent ah non, faut pas parce que ça va les inciter à machin. Ils sont dans l'idéologie à donf. Nous, on est concret. Dans le chat, il disait que le sujet que la gauche pourrait porter en 2022, ce serait l'écologie. Bien stacron, hein. Alors l'écologie, pardon, c'est un thème. Pour moi, c'est pas une, c'est pas une. Enfin, c'est. Ça pourrait être un thème ça, ça, ça central. grand-chose. Ah bah, tu parles. Attends, parce que moi, planification écologique. Donc qui est le truc de la France insoumise. Est-ce qu'ils vont réussir à l'imposer dans, dans le paysage J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils rament depuis un an et qu'ils n'y arrivent pas. Mais ouais, why not euh, Tu as décroissance, qui est un autre mot puissant. Qui, qui... Ah mais ça, c'est repoussoir. Alors c'est repoussoir pour beaucoup de gens, mais c'est aussi agrégateur pour des écolos, par exemple. Donc pourquoi pas, ouais, non. Ouais, mais bon, pas euh, Pour moi, écologie. Non, mais écologie, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu vois, il y a, y a... Ce sera forcément un des thèmes. Pas. Euh, ça va être un thème pour l'électorat de gauche, évidemment, parce que l'électorat de gauche... Mais pas que gauche, hein. euh... ça, peut être un thème aussi pour l'électorat euh, plus modéré, centriste, je le pense, et notamment pour des jeunes, beaucoup. Sixième République, euh, République c'est effectivement un sujet intéressant qui avait déjà été mis sur le devant de la scène par... Euh, donc la crise démocratique. Plus la, généralement, la notion de la crise ouais. démocratique, il se trouve que moi c'est un sujet qui me passionne assez personnellement, donc en plus j'adorerais que bah, ce soit un thème ouais. de la présidentielle, on verra. Mais, euh, mais ça m'intéresse... L'écologie, bah, c'est pas possible, on ne peut pas enchaîner les étés comme ça, là ça va faire... Il y a des gens... Se sont réveillés il y a deux trois étés quand vraiment on a eu le premier été ouais. vraiment bourrin, je me souviens d'un Daniel Schneiderman qui avait fait un billet en disant putain cet été j'ai vraiment compris il avait lancé un, ensuite une émission où il avait dit cet été j'ai vraiment compris ce que ça allait être le réchauffement climatique, mmh. ça a démarré et ce moment-là plein de gens avaient pris conscience, bon là ça va faire 3 trois, 3 trois étés, 3-4 trois, comme ça où, ouais, euh... et puis il va y avoir l'hiver et les gens vont oublier mais non mais c'est fou quoi c'est fou que ce qu'on n'arrive pas à installer enfin, ça court-termisme, court-termisme en fait il y a, y a, il... ça, le temps, le temps y a Yvette dans le chat qui me dit arrête de te curer le nez, je suis désolé Yvette effectivement. Non non mais c'est voilà, donc ça ce sera peut-être un terme pour. De... sur moi en plus. Ah, hop là. <laughs> euh...